yes you will, timber. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going. Bonjour à tous. Donc alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc désolé, je chuchote, mais en fait il est actuellement 3h du matin et je suis arrivée au centre équestre. En fait, j'ai reçu une notification sur la caméra qu'on avait placée dans le box de Nova. Et en fait j'ai regardé et elle semblait agitée. Elle avait la queue assez levée, donc qui est signe qu'elle va bientôt pouliner. Elle avait l'air d'avoir des contractions parce qu'elle bougeait quand même pas mal. Et une fois qu'elle s'est couchée, elle regardait pas mal sa croupe ou sa queue. Et j'avais l'impression qu'elle poussait un peu. Donc du coup voilà, je suis venue au centre équestre. Je suis pas allée voir encore le box. Je vais la laisser se débrouiller parce que je veux pas intervenir si elle n'a pas forcément besoin. Je veux qu'elle se débrouille toute seule. Si vraiment je vois que ça va pas, que c'est trop dur pour elle ou quoi, j'appellerai un vétérinaire. En tout cas voilà, donc je vais juste surveiller un peu de loin et quand je verrai que le travail sera fini, que le poulain sera sorti, j'irai voir. Mais en attendant, je vais la laisser tranquille. Donc comme vous pouvez le voir, elle est allongée. Donc on va la laisser tranquille et faire le travail toute seule comme une grande. Bon, du coup ça y est, elle vient de pouliner. Je vais la laisser le lécher, voilà. Je vais les laisser ensemble pour qu'ils fassent connaissance, tout ça. Je vais leur laisser un peu d'intimité. Mais tout s'est très bien passé. J'ai pas eu besoin d'appeler le vétérinaire. Voilà, franchement, elle s'est débrouillée comme une chef. Donc, je reviendrai tout à l'heure, plus tard dans la journée. Parce que là, je suis très fatiguée. Honnêtement, j'ai envie d'aller dormir. Voilà. Rebonjour tout le monde. Donc ça y est, je suis retournée au centre équestre. J'ai rattrapé un petit peu mes heures de sommeil. J'en avais bien besoin. Donc là, il y a tout le monde qui est autour du box. Enfin, tout le monde, c'est-à-dire Bertrand, Marie et Mila. Ils veulent absolument voir le bébé. Donc moi, je vais aller les rejoindre. En plus, aujourd'hui, on va pouvoir le sortir parce qu'il fait chaud et beau, du coup. Donc on le mettra dans un petit parc tranquille avec sa maman. Pour pas que les autres chevaux l'embêtent ou quoi. Et voilà, il pourra profiter d'un bon bol d'air frais. Donc ce sera sa première sortie. Et bah c'est parti, on va au box. Voilà, j'ai trop hâte de le voir, il a l'air trop mignon. Allez, poussez-vous tout le monde, laissez-moi faire. Oh, il est adorable. Bon alors, à votre avis, c'est un mâle ou une femelle? Alors, Marie, elle dit que c'est une fille, et moi et Bertrand, on dit que c'est un garçon. Eh bien, c'est vous qui avez raison, puisque c'est un petit bonhomme. Donc voici le bébé de Nova, donc c'est un 100% traquenard, parce que sa mère est traquenard et son père aussi. Donc comme vous pouvez le voir, il a pris la robe de sa maman, puisqu'il est gris et que sa mère est grise. Son père, lui, est bai. Bon, nous ça nous dérange pas forcément qu'il soit gris parce que c'est quand même notre deuxième poulain, on n'était pas forcément fixé sur les robes. Voilà, donc tout s'est très bien passé et qu'il en vit, c'est le principal. En tout cas, franchement, il a l'air assez curieux et il a de très belles jambes. Je pense que ce sera un bon poney, enfin cheval du coup, de saut ou de complet ou j'en sais rien, mais franchement, ça a l'air d'être un bon cheval de sport. Allez, trêve de suspense, je vais enfin vous révéler le prénom. Donc il s'appelle Enjoy. Voilà, c'était l'année des N. Donc j'ai voulu prendre un nom en N. Et donc nous avons choisi Enjoy. On va faire venir la veto pour qu'elle fasse un petit check, etc. Et puis moi je vais vous reprendre juste après. En tout cas là c'est bien parce que Nova, elle le laisse boire. Elle le rejette pas du tout, vraiment top. Et elle est pas non plus trop maman poule. Donc ça c'est très cool. Du coup ça y est, la veto elle est passée. Bon, je vous ai pas filmé parce que bon, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être pas. Mais du coup elle m'a donné du désinfectant pour son cordon. Et des petits médicaments à lui donner. Enfin c'est pas vraiment des médicaments mais genre des vitamines, tout ça. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'étais très contente de la naissance du petit poulain, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait, faut se le dire. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et puis moi je vous fais de très gros bisous, je vous donne des nouvelles bientôt. Et à plus, bye!